un truc assez incroyable à Moscou. C'est un autre système que le Vélib. C'est les trottinettes. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et en général, ça marche. Si c'est en vert, c'est que ça marche. Je suis jamais tombé sur un qui marchait pas. Une fois, ça marchait pas pendant une minute. J'ai entendu des bip bip, un mec a dû se connecter, a dû remettre, réinitialiser le truc. Ça s'est au bout de deux minutes, ça s'est mis à marcher direct. Plutôt pas mal. Bon, ce qu'il y a, c'est que moi j'en ai fait il y a 3 semaines. Je montais dans les 25 km/h, voire quasi 30. Et là, apparemment, je sais pas pourquoi, c'est limité à 20 km/h en ce moment. Et il y a deux compagnies là, MTS et Woosh là. C'est MTS, MTS. Et Woosh. Tout à l'heure j'ai pris un Woosh, le problème c'est que là, c'est celui que je viens de poser. Là. Le problème c'est qu'il est bridé dans certaines zones, il est bridé, je dépasse pas les 15. Ça te met un mode tortue. Et ça te bride dans certains quartiers pendant 2-3 minutes, voire plus à 15 km/h. Après, tu repasses dans les 20. Bah, déjà, ils sont bridés à 20. De base, les deux compagnies, elles sont bridées à 20. Parce qu'en ce moment, les restrictions sont à 20 km/h. Il y a 3 semaines, quand je disais, c'était 25, voire plus. Mais ouais, facile 25. Là je vais reprendre celui-là parce que celui-là je crois qu'il n'est pas bridé. Il n'est pas bridé dans certaines zones. Enfin je sais pas, je vais le tester celui-là. Ouais. Toi, j'aime pas trop que je touche parce que je ne l'ai pas encore réservé. Ouais. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt assez simple. Oh, j'ai vu qu'à Paris, ils ont commencé à faire la même chose avec les Vélib pour les JO. Pour les Vélib, il fallait qu'ils se réveillent un peu, hein. On peut enfin payer par téléphone et tout. C'est le même système ici, qui était depuis beaucoup plus longtemps. Il y en a vraiment partout, on peut les laisser partout. C'est des stations comme ça. Mais bon, la dernière fois je l'ai laissé en bas de chez moi, il n'y avait pas de problème. Pour un Stankino. Donc, on va juste avancer l'application. On scanne le QR code. Le tarif, c'est dérisoire. Ouais. 7 roubles la minute, 50 euros de caution, enfin 50 euros, 50 roubles. 50 roubles le fait de le réserver, plus 7,68 roubles, 98 roubles, enfin 8 roubles quoi, la minute, c'est rien du tout. C'est même pas, c'est moins de 10 centimes d'euros la minute. Là, en plus, il y a un truc. Apparemment, c'est pas sur l'autre, il y a un pour charger à induction. Bon, avec cette coque. Donc là. Hop. Je trouve ça le truc là. Ça, c'est pratique. Juste à dire hop. Donc, bien entendu, il faut avoir une banque russe. Voilà, scooter est activé. En fait, c'est scooter carrément. Après, 70%, et là je peux y aller. Plutôt pas mal. Je notifie la banque. Après, les clignotants. Les phares la nuit. Plutôt bien foutu. Là je vais en remettre.
petite destination. Voilà, c'est pas mal de mettre le GPS avec la trottinette, spéciale route pour les trottinettes. Enfin, route, c'est, en gros, c'est les trottoirs qui sont bien larges. C'est plutôt pas mal comme moyen de transport pour visiter tout ça, c'est sympa. Voilà, je suis arrivé à ma destination. On a juste à faire complète. Ça va demander une photo. Le numéro. Il n'y a pas de numéro. Il y a un numéro. Ça m'a coûté 252 roubles. En gros, ouais, 25 centimes quoi. J'ai fait 5 km. Voilà. On prend la photo, on note, et c'est terminé. Il y en a partout, je l'ai croisé. Il doit y avoir des milliers, hein. Il y aura des milliers dans Moscou, il y en a trop, il y en a tellement partout. C'est plutôt pas mal. Après il y a des passages souterrains. Il y a des passages souterrains, tout ça, où il n'y a pas d'escalier, donc tu peux descendre en trottinette et en vélo. Tout a été conçu pour, parce que là il y a 6 voies là, tu traverses pas ça à pied, hein. Tu traverses ça dans les souterrains. Tu vois la 6 voies en face, une 8 voies plutôt même, je dirais, 4 de chaque côté. En tout cas, bon, ça fait longtemps que je suis parti de Paris, mais c'est pas une galère comme... À Paris actuellement, tous les cyclistes que j'ai vus, déjà en voiture c'était bien chiant, maintenant même les vélos se plaignent à Paris pendant les Jeux Olympiques. Alors, c'est une vraie galère. Et ici, ce qu'il y a de bien, c'est que les trottoirs sont larges, il n'y a pas de problème pour cohabiter entre piétons, trottinettes et vélos. C'est même pas la peine de s'aventurer sur sur la route en trottinette, ça n'existe pas ici. Je pense que ton taux de survie est divisé par deux. Ça, pas de trottinette sur les routes avec les voitures, ni de vélo. Les trottoirs sont tellement larges qu'on peut aller partout sur les trottoirs sans problème. Voilà, je vais aller à ce fameux hôtel Cosmos. Voilà, comme je disais, le nombre de trottinettes qu'il y a. C'est incroyable. Voilà, je me suis fait appaguer par un jeune homme qui gère les trottinettes. C'est con, je pars bientôt. Si j'avais su, je l'aurais mis plus tôt. Là, j'ai payé 3 euros. 3 euros pour 3 mois. S'il y avait une promo en plus, une connerie, bon, je sais pas, il y avait 1,40 euros pour un mois. Bon, le mec proposait une promo. Promo à la con, en fait, t'as 35 minutes gratuites. Je sais plus, 50 roubles ou 80 roubles, je crois, 80 centimes, ou une espèce de caution qu'on pose. Ça, il le prélève plus.
Et bah, les 35 premières minutes sont gratuites. Soit comme je, c'est rare que j'utilise plus de 35 minutes. Bon, je voulais un peu lui faire plaisir parce que je pense qu'il touche une com sur ses promo codes là qui te rentrent dans son dans ton téléphone. Espèce de promo code. Comme quoi il a vendu son truc quoi. Bon, 3 euros. J'en ai peut-être dépensé plus, si j'avais su j'aurais peut-être pris ça avant, j'en ai peut-être dépensé plus en trottinette. Ouais, j'ai dépensé plus de 3 euros en trottinette depuis le début. Donc bon, c'est un peu con que je vois ça avant la fin.